Bonjour et bienvenue dans Voyage en transition, l'émission de découverte du magazine Sans Transition dédiée aux innovations et alternatives dans l'écologie et le social. Cette émission est en direct et diffusée à la fois sur la plateforme Zoom ainsi que sur notre page Facebook et YouTube. Elle sera ensuite disponible en replay sur notre site internet, les chaînes télé TBO, TB Sud ainsi que la radio RCF. Je vous invite d'ores et déjà à participer et interagir en postant vos questions et commentaires aussi bien sur Zoom que sur Facebook. Je remercie au passage les partenaires de cette émission, donc ils sont la Massif, Fondation Massif, l'EME Unilassalle ainsi que l'hôtel Spa Le Coq Gatby à Rennes. Pour cette troisième émission, nous partons en voyage dans le futur et avec ses différents scénarios. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Arthur Keller. Bonjour Arthur. Bonjour. Arthur Keller, vous êtes ingénieur de formation, aujourd'hui spécialisé dans le domaine des vulnérabilités humaines et des stratégies de transition écologique et de résilience. Selon vous, il est urgent d'enrichir nos imaginaires d'une culture du risque, de représentation des crises majeures à venir, d'une nature et d'une amplitude inédites et d'images de ce que serait une résilience réussie afin de prendre conscience de l'insoutenabilité de nos sociétés, des disruptions à venir et des possibilités de transition pour anticiper, amortir les chocs et assurer des conditions d'existence dignes pour un maximum de gens. À noter que vous êtes également ancien scénariste et que vous êtes explorer comment le storytelling, c'est-à-dire l'art de conter, peut être un outil de pédagogie et de mobilisation autour du projet de la vulnérabilité de notre société ainsi que des stratégies de résilience. Vous avez aussi été le coordinateur de la commission environnement du parti Nouvelle Donne et avez élaboré le programme de transition sociétale de Charlotte Marchandise, candidate citoyenne lors des dernières élections nationales présidentielle. Donc Arthur Keller, pour cette première partie d'émission, je vous laisse nous emmener avec vous dans le futur, à horizon 2050 par exemple, c'est votre monde de demain. Alors, attendez, excusez-moi, hop, la lumière s'est éteinte, je vais la rallumer. Ça commence fort, hein. J'arrive tout de suite. Quand on vous a dit que c'était du live, c'était pas un mensonge. Et voilà, c'est parti, on voilà. Commence. C'est formidable, on m'a mis et dans la une lumière pièce, fut. Il y a une minuterie. Voilà. Vous voyez Arthur, la lumière après la nuit. Ok. Bon, alors, oui. Alors déjà, je ne vais pas me projeter dans un futur. Je vais tenter quelque chose après, mais déjà, je vais poser en préambule le fait qu'il y a... C'est dangereux et ce n'est pas la bonne chose à faire que de présenter une vision, dans le sens où je suis personne pour dire ce que va vraiment être le futur d'une part, et qu'en fait le futur il va être surtout ce qu'on va en faire, au niveau plutôt local, et même s'il y a évidemment des choses qu'on peut faire à un niveau plus large, et donc ça dépend plutôt de vous. En fait, chacun de vous devrait essayer de se projeter et essayer d'avoir une vision, peut-être de la partager, de ce qu'il attend du futur. Mais, autant il faut effectivement qu'il y ait une multitude de visions du futur, avec des déclinaisons culturelles, sociaux, ethniques, radicalement différentes selon les cas et selon les lieux. Autant malgré tout, ce que je peux dire déjà, avant de commencer à faire peut-être un peu rêver les gens, parce que pour l'instant je ne fais rêver personne, mais ce que je peux dire malgré tout, c'est que oui, il faut que tout le monde s'en empare et produise ses propres visions du futur, et s'approprie en fait cette thématique et cette question de se projeter dans l'avenir. Pour autant, il y a des choses qui sont absolument inéluctables. Donc, quand bien même je ne vais pas vous dessiner exactement et dans le détail une projection, une vision de ce que sera l'avenir en 2050, parce que ça va vraiment dépendre de qui on est et où on est, malgré tout, je peux vous dire, à quelques détails près, les choses qui nous attendent, tous, avec d'énormes divergences, évidemment, mais malgré tout, quand même, tous. Et la première chose, alors, ce que je vais énoncer là, c'est la conclusion d'un certain nombre de travaux,
Peut-être certains d'entre vous connaissent un peu mes travaux et donc ils comprendront. Et puis pour les autres, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil à une ou deux conférences qui sont en ligne, que j'ai données. Parce que, évidemment, j'arrive à la conclusion sans avoir fait tout le raisonnement. C'est peut-être un petit peu abrupt, comme ça, pour ceux qui ne me connaissent pas du tout. Mais malgré tout, c'est ce qu'on m'a demandé. Donc je vais directement à la conclusion. Et je vous dis, voilà les grands éléments de ce qui nous attend. Hélas, j'ai envie de dire, parce que ce n'est pas forcément très drôle. Tous dans l'avenir. Et puis, une fois qu'on a pris conscience de tout ça, on voit ce qu'on peut en faire, et là, je vais vous proposer quelque chose. Mais alors, les grands éléments, c'est quoi? Déjà, ce que j'appelle une grande descente énergétique et matérielle, constellée de disruptions écologiques et sociétales. Déjà, ça fait peur et ça fait pas plaisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les prochaines années et décennies, nous allons avoir progressivement, et à mon sens, je pense, de plus en plus rapidement, mais on verra bien, de toute façon, nous allons avoir de moins en moins d'énergie, de moins en moins de matière, de matériaux, de ressources, matière première, on va avoir de moins en moins de ça, et des pénuries. Et à côté de ça, il va y avoir, pour la raison climatique notamment, mais aussi également pour certaines autres raisons de biodiversité notamment, ou d'état des sols, on va avoir quelques disruptions écologiques, j'entends par là, que les écosystèmes vont aller moins bien, que certains services écosystémiques vont carrément, à certains endroits, s'arrêter ou être fondamentalement changés, et cela va avoir des implications négatives d'une manière générale sur nos sociétés. Donc déjà, ça, c'est le contexte général qui va s'appliquer à peu près partout dans le monde, mais à différentes vitesses et à différents niveaux. Évidemment, certains vont réussir à pendant un certain temps, à avoir plus de ressources que d'autres. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut mettre dans vos imaginaires de l'avenir, c'est que les réponses technologiques, si vous voulez, n'existent pas. C'est-à-dire, si vous vous projetez dans l'avenir et si vous imaginez tout de suite que ça va être par une série d'innovations technologiques qu'on va réussir à tout résoudre, c'est faux. Voilà, donc les technologies peuvent avoir leur rôle à jouer, mais globalement, les réponses doivent être systémiques, et ça signifie culturel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des changements culturels partagés à large échelle suffisamment pour pouvoir ensuite mettre en place des systèmes de vie, des modes de vie radicalement différents. Donc c'est pas juste, et ça c'est surtout ce que font les technologies, produire de manière différente ou se déplacer de manière différente. C'est pas juste ça, c'est véritablement une nouvelle façon d'être au monde. Voilà, donc les rapports entre soi et les autres, entre soi et l'avenir, est-ce qu'on a une responsabilité sur l'avenir, rapport avec le reste du monde vivant également. Il y a ensuite une résilience collective qu'on peut mettre ensemble. Moi, je vous encourage à vous projeter là-dedans. Une résilience collective à la juste échelle, c'est-à-dire à l'échelle territoriale, où on peut vraiment faire des choses sans attendre que ça vienne du haut et sans être dépendant de chaînes d'approvisionnement complexes de l'autre bout du monde. Donc là, l'idée pour moi, c'est vraiment... Je peux commencer à vous donner quelques exemples pour que vous vous projetiez chacun à votre manière, mais il faudrait que chacun, à chaque endroit, nous puissions assurer nos besoins élémentaires, vitaux, sans dépendre une fois de plus voilà, de chaînes d'approvisionnement qui viennent de l'étranger, voire des fois carrément de l'antipode, que nous fassions ensemble, que nous protégions les communs, c'est-à-dire tous les biens, décidément, la lumière n'arrête pas de s'éteindre. Mais écoutez, voilà, on va continuer comme ça. Entre nous, c'est plus cosy. Ah, merci, vous pouvez... Ah, là, c'est très cosy. Merci. Voilà. Bon, voilà, bon, la lumière s'est rallumée. Donc, voilà, assurer nos besoins vitaux en prenant soin des communs, c'est-à-dire des biens communs, vraiment, qui assurent, justement, la fourniture de ces besoins essentiels. Ça passe, évidemment, par la bouffe, hein, capable de produire, une fois de plus, ce qui est vital. Ça ne veut pas dire l'autarcie, surtout pas, mais ça veut dire en tout cas qu'on n'a pas, on tombe pas dans un système de famine si jamais il n'y a pas les camions de la grande distribution qui nous fournissent notre bouffe. Aujourd'hui, c'est le cas, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, une autre dimension qui est absolument indispensable dans les récits de l'avenir, c'est qu'on a un système qui est en place et qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. Et que la seule manière qu'on a de dépasser ce système va être d'une certaine manière d'entrer en résistance contre ce système. Donc on peut certes essayer de le changer de l'intérieur jusqu'à un certain point, on peut essayer de le changer aussi de l'extérieur sans forcément non plus se radicaliser, on peut faire ça. Mais une forme de radicalisation devient absolument indispensable. Quand je dis radicalisation, ça ne veut pas dire extrémisme, ça veut juste dire la juste réponse adaptée, proportionnée à l'enjeu. Et aujourd'hui, malheureusement, à certains égards, là encore, je vous renvoie vers des conférences que j'ai faites, la situation demande. Elle est en train de se radicaliser et elle demande juste de hausser d'un cran les modes de mobilisation. Il faut enfin, je termine là-dessus, arrêter d'imaginer qu'il puisse y avoir un personnage providentiel. Voilà, ça doit se construire ensemble, collectivement, sinon ce n'est pas viable. En cohésion sociale, sinon
les maillons faibles, si vous voulez, de la chaîne au niveau social, ben quelque part, il y a des frustrations qui augmentent, et puis il y a des oppositions qui naissent, et puis le projet, le ver est dans la pomme. Et enfin, il faut revoir notre rapport au reste du vivant. Donc moi, si je devais me projeter, mais vraiment, on est dans le rêve, là, hein, dans un vrai rêve, j'ai conscience que ça ne sera pas possible dans beaucoup d'endroits, hélas. Mais mon vrai rêve serait effectivement qu'on soit résilient au niveau local, résilient et digne, qu'on fasse les choses ensemble, qu'on s'entraide, qu'on s'organise avec des territoires alentours, qu'on assure nos besoins au niveau territorial. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que la grande descente énergétique et matérielle qui nous pend au nez, que de toute façon on va devoir vivre, on le comprend et on la prépare, ou bien on ne se prépare pas et on la subira, mais dans tous les cas, il y aura une descente énergétique et matérielle. Ben, cette descente-là, qui nécessairement signifie une descente économique au sens premier et conventionnel du terme, c'est-à-dire fabrication de richesses, si vous voulez, PIB, etc. Cette descente, pour qu'elle soit acceptable, parce que ça implique une baisse de pouvoir d'achat au sens où on l'entend aujourd'hui, et ça c'est inaudible pour les gens, et je veux bien le comprendre, ben, pour que ça devienne audible et que ça devienne acceptable, eh bien, on assure les biens essentiels de tout le monde, ce qui fait qu'il n'y a personne qui est vraiment dans la merde, excusez-moi, absolue, si jamais le système se casse la gueule. Et donc, on assure ça, à partir du moment où on a les communs qui sont gérés, on a assuré les besoins essentiels de chacun, on peut se libérer un peu de la pression au pouvoir d'achat, la pression par le pouvoir d'achat, ça ne veut pas dire qu'on n'en a plus, ça veut dire qu'on a peut-être un peu moins besoin d'acheter tout et n'importe quoi et qu'on est plus libre finalement de faire les choses contrairement à ce que ça peut laisser à penser. Si on revoit en plus un peu l'anthropocentrisme, c'est pas de l'idéologie de ma part ou c'est simplement une question éthique, c'est simplement qu'aujourd'hui le monde naturel est en train de s'effondrer, la biosphère est en train de s'effondrer. Je disais tout à l'heure et je répète maintenant qu'on a 68% des vertébrés qui ont disparu en 46 ans, c'est totalement affolant. Et si on ne commence pas à changer d'attitude vis-à-vis du vivant, en sortant d'une logique utilitariste où on utilise ce dont on tire des ressources et un intérêt personnel, et si on bascule vers une logique de respect et de régénération, écoutez-moi, déjà pour moi, même si j'ai conscience que on est encore très loin de ce que je décris, là on est vraiment dans une utopie pour laquelle, une utopie qui justifie un combat. Voilà. Merci beaucoup Arthur Keller, une utopie qui justifie un combat. On va garder cette phrase en tête. Moi, ce que je garde aussi de votre présentation, de votre voyage dans le futur, c'est que vous vous posez beaucoup de questions, mais vous n'êtes pas les seuls. Et on voulait vous présenter donc ce livre auquel vous avez participé, qui s'appelle « L'effondrement de l'Empire humain ». Bon, au niveau du titre, c'est quand même assez costaud. Et voilà la bande-annonce. Et puisque ce vieux monde se meurt, il est alors légitime de se poser mille questions sur ce que cela implique. Nous n'avons pu en garder que quelques-unes. Parmi elles, nos peurs, notre rapport à la mort, le sort de nos enfants, le très actuel sujet de la maladie. Je m'appelle Manon, j'ai 30 ans et je suis psychologue. Je m'appelle Pierrot, j'ai 34 ans et je suis inspecteur de l'environnement. Tout commence par quelques questions badines sur la fin du monde et des constats qui semblent n'avoir aucun lien entre eux. Un mois de février beaucoup plus chaud que la normale. Des méga-feux partout sur la planète. 46 degrés en juin et des tempêtes à répétition. La fonte des glaces. Plus d'insectes écrasés sur les pare-brises. Moins de papillons. Moins d'oiseaux qui chantent. Moins d'abeilles. Dans le cadre de mon travail, chaque jour, je fais face à un effondrement silencieux, celui de la vie sauvage. Son extermination, méthodique, structurée, légalisée, en devient insupportable.
Et puis nous tombons sur un article qui parle d'un concept paradoxalement familier et inconnu. L'effondrement. Viennent ensuite le visionnage de vidéos, des lectures et bien sûr les visages des penseurs de l'effondrement. Des visages qui vont nous devenir familiers. Puis notre pensée progresse. Elle va plus loin et bouscule le déni confortable dans lequel nous nous étions installés. C'est dans la mise en connexion de toutes les catastrophes que réside la force de cette notion d'effondrement. Nous avons donc jugé pertinent de la mettre en lumière en croisant les travaux des principaux penseurs sur ce sujet afin d'obtenir un tableau éclectique et intime. Nous avons rencontré des scientifiques, des politiques, des leaders d'opinion, des figures de proue de la collapsologie, mais surtout des hommes et des femmes qui nous ont parlé avec leur cœur. Ils nous ont fait partager leur vision de l'effondrement, leurs craintes, leurs espoirs aussi. Tous ont accepté de se livrer longuement et de n'éluder aucune question. Nous avons réuni tous ces entretiens au sein d'un ouvrage singulier qui pourra vous aider à trouver des réponses. Vos réponses. Donc voilà un ouvrage collectif auquel vous avez contribué, Arthur Killer. On va reprendre les choses dans l'ordre, comme vous le souhaitiez lors de la préparation de cet entretien. Et vous m'avez demandé de commencer par le constat. Et effectivement, avant de parler futur, c'est vrai qu'il faut déjà faire un point sur l'état naturel du monde et de nos sociétés. Comment va-t-il ce monde, Arthur Killer ? Bon, ben, il ne va pas bien le monde. Mais ça, je pense que la plupart d'entre vous l'auront compris. Je dis la plupart parce qu'il reste aujourd'hui des imaginaires et des récits et des dogmes extrêmement forts qui nous laissent penser que finalement ça va pas si mal et que même à certains égards ça va mieux et puis qu'on s'en est toujours sorti et puis qu'on va s'en sortir et patati et patata. Mais bon, ça, je vais pas pouvoir développer ici, mais c'était là une vue de l'esprit et effectivement, à certains égards, le monde s'est amélioré et à quelques égards, il s'améliore encore par-ci par-là. Mais globalement, il y a des choses qui sont en train de se passer, des dynamiques lourdes qui sont en train de se déployer, de se dérouler et qui sont extrêmement délicates pour envisager l'avenir. Donc, sans rentrer dans les détails, aujourd'hui, disons que ce soit sur le dérèglement climatique dont on entend beaucoup parler, ou sur l'érosion de la biodiversité, l'état des océans, l'état d'un certain nombre de biomes ou de biotopes, les états, donc, par exemple, des forêts dans la plupart des endroits du monde, à quelques exceptions près, l'état des coraux, l'état des mangroves, l'état d'un certain nombre d'autres habitats comme cela, que ce soit sur l'état des eaux, l'hydrosphère, donc les lacs, les rivières, les cours d'eau, la fonte de tout ce qu'ils font, que ce soit sur Terre ou que ce soit la banquise, que ce soit l'érosion, on appelle ça de la biodiversité, j'en parlais vraiment tout à l'heure, mais en fait, il faut, globalement, le monde, voilà, il est en train de se déliter, de se dégrader à une vitesse accélérée un petit peu partout, du fait de l'impact de l'humanité dans son ensemble, c'est-à-dire qu'évidemment, certains sont responsables d'une empreinte, d'un impact bien plus fort que d'autres, mais globalement, sont responsables des activités humaines et du fait qu'on prélève des ressources, on les transforme ensuite pour les utiliser en biens, en services et autre chose dans notre société, et ensuite on rejette des déchets, on est en train de transformer cette nature en déchets. Voilà ce que l'on fait. Donc le monde va mal, mais au-delà des chiffres qui sont absolument désastreux et qui font très 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 peur quand on en prend connaissance, hein. Tout à l'heure je disais 68% des vertébrés ont disparu en 46 ans, mais si je vous dis que 75% des sols dont dépend notre survie sont dégradés, si je vous dis que il y a des chiffres absolument fous, comme par exemple le fait que la Chine utilise en 3 ans à peu près autant de sable pour notamment faire du ciment que les États-Unis en ont utilisé pendant tout le XXe siècle. Ce sont des chiffres totalement fous, et si on ne suit pas ça de près, on ne se rend pas compte de l'explosion d'un certain nombre d'ordres de grandeur et donc de l'accélération d'un certain nombre de dynamiques de délitement, comme je disais, voire d'effondrement. Donc le monde va mal, mais au-delà des chiffres, pour finir sur cette question, je voulais dire qu'il y a aussi une question de sensible dont on ne parle pas assez à mon sens. C'est que tout ça, ça se fait dans la douleur et que ce n'est pas anodin. Que les espèces qui disparaissent, c'est pas pouf, oh tiens, une espèce a disparu. Ça se fait dans la douleur, ces choses-là. Et il va y avoir, parce que tous les systèmes complexes, c'est le cas d'un écosystème, mais c'est le cas d'une
surtout d'un système socio-technique, c'est ça qui va nous concerner, nous, c'est-à-dire un système humain, on va dire, en interaction avec un système écologique, c'est ça les systèmes socio-écologiques, et bien les systèmes écologiques, ils ont tous un point de rupture. Donc ça va aller de plus en plus mal, mais graduellement jusqu'à un point de rupture où là, ça s'accélère d'un seul coup. Et à ce moment-là, on souffre. Beaucoup de gens, beaucoup de créatures souffrent. Donc il faut aussi replacer ça dans le registre du sensible pour arriver à comprendre que ce n'est pas juste une description abstraite que je fais, mais bien quelque chose qui justifie notre préoccupation et qui justifie donc de s'en préoccuper et de s'en occuper. Le constat est difficile et pourrait mener, donc, comme vous le dites, au délitement de pans entiers de notre société. Mais j'ai quand même envie de vous demander, est-ce que c'est forcément une mauvaise nouvelle pour tout le monde, dans le sens où est-ce qu'on ne pourrait pas y voir quelque chose de positif dans cette nécessaire réinvention de tous nos systèmes? Et bien sûr, enfin, ce que je veux dire, c'est que d'une manière générale, c'est plus de mauvaises nouvelles que de bonnes, je dois vous l'avouer. Mais à l'intérieur de ces grandes dynamiques de délitement, effectivement, on peut créer des choses qui font parfaitement sens, et même, je vais vous dire la vérité, qui pourraient nous permettre, et qui le font déjà à un certain nombre d'endroits, parce qu'il y a des gens qui font déjà des transformations territoriales dans le sens qui me semble cohérent, vers de la résilience collective, de la régénération des écosystèmes, du travail en cohésion. Tout ça, quand ça existe, c'est déjà le cas, et comme ça pourrait exister si jamais on s'y mettait tous, c'est vecteur de sens, c'est vecteur de cohérence. Ça nous sèvre du sevrage d'un certain nombre d'addictions que l'on a, qui ne sont pas appelées comme telles, mais qui le sont vraiment. Addiction déjà à l'information, addiction à l'accélération de la vie, à la consommation, à ceci, à cela. Une forme de course folle, là, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans les entreprises, une espèce de course folle en avant qui nous fait perdre, pour beaucoup de gens, le sens aujourd'hui. Et donc, nous sortirions de cette course folle ingagnable. Nous sortirions de ces aliénations collectives et individuelles et de ces accoutumances. Nous sortirions également de ces dissonances cognitives qui font que de plus en plus, il y a des gens qui réalisent que ce qu'ils font, c'est pas du côté de la solution, mais plus du problème, etc. Et le fait de sortir de ça nous donne une chance. Je ne dis pas que c'est gagné, que ça sera facile, mais nous donne au moins une chance d'être heureux. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile d'être heureux quand on se pose des questions. Aujourd'hui, les seuls qui sont heureux, c'est ceux qui ne se posent pas beaucoup de questions. Alors, tant mieux pour eux, hein, j'ai presque envie de dire, pour l'instant, parce que ça va être tant pis pour eux dans un second temps, parce que du coup, ils ne se préparent pas. Et quand on ne se prépare pas parce qu'on se croit vulnérable, eh bien, on se rend vulnérable. Parce qu'on se croit invulnérable, pardon, eh bien, on se rend vulnérable. Donc, il y a des bonnes nouvelles possibles pour un certain nombre de gens, si on sait anticiper dès maintenant, parce que si on ne fait rien et qu'on subit, ça va pas être folichon. Et puis, il y a effectivement une grande nouvelle à se dire, que le fait que tout cela se délite et finalement que l'impact de l'humanité sur cette planète diminue de manière forcée quelque part, ben oui, ce sera finalement, au niveau très global, plutôt une bonne nouvelle. Mais, et pour finir, ce ne sera une bonne nouvelle que si, entre-temps, les humains ont préparé des systèmes résilients, capables d'assurer leurs besoins élémentaires, parce que si ce n'est pas le cas, s'il y a des effets d'effondrement, ou en tout cas de déclin rapide et de dégradation rapide des systèmes sociaux, économiques, etc., et politiques. Si ça se passe ça alors qu'on ne s'est pas préparé, alors ça va être le chaos. Et dans ce chaos, les gens ne vont pas gentiment s'éteindre. Les gens vont ensuite, si jamais les flux d'approvisionnement de bouffe, ne serait-ce que ça, ne sont pas assurés vers eux, bien, ils vont aller chasser et pêcher tout ce qui se bouffe, ils vont aller couper tout ce qui se brûle, et ça risque d'être, à plein d'endroits, des effondrements écologiques. Donc, la descente dont je parle, et cette finalement descente de l'impact de l'humanité sur la planète, est plutôt une bonne nouvelle. Mais si et seulement si, nous nous y préparons pour que ce ne soit pas un carnage. Voilà. Mais ce que vous nous dites quand même, Arthur Keller, vous êtes, je pense, tout à fait conscient que ce n'est pas simple à entendre. Et est-ce que vous comprenez l'angoisse, voire même le refus d'acceptation, j'ai envie de dire, qui peut survenir mais chez chacun d'entre nous, en n'importe quel moment, au moment de donner la vie, par exemple, de faire un enfant, ou dans des moments comme ça où on se dit, on parie sur l'avenir. Est-ce que vous comprenez cette angoisse à l'idée de devoir changer de vie ?
Non, mais bien évidemment que je la comprends. Et je ne suis pas immunisé contre ça. Moi-même, l'être humain, de toute façon, n'aime pas le changement. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas l'être humain. Je pense que la plupart des êtres vivants n'aiment pas le changement. On est des êtres de rituels et d'habitudes, de culture, etc. Mais par contre, donc je comprends effectivement cette peur spontanée d'un changement, et qui plus est, un changement plus vers la contraction, la compression des possibles, plutôt que vers encore, parce que c'est le cas depuis quelques décennies maintenant, on pourrait dire depuis quelques siècles, voire depuis le début, c'est toujours en expansion. On a toujours l'impression que l'avenir, ça va être plus, ça va être mieux, ça va être plus grand, etc. Bon, il y a plein de cas dans l'histoire où ce n'était pas le cas, mais globalement, on pouvait jusqu'à maintenant penser que demain serait toujours plus et mieux. Et d'ailleurs, plus égale mieux. Bon, mais ça, c'est fini. Parce que pour la première fois, on a saturé la planète Terre. Voilà. La planète Terre est saturée de l'humain et de l'activité humaine. Donc, on est obligé de changer notre perception de l'avenir. Maintenant, ce n'est pas parce que je l'ai dit, et ce n'est pas parce que j'arrive à convaincre les gens, éventuellement même sur le plan purement intellectuel, que ça suit au niveau des émotions et que ça suit au niveau des actes. Ça, évidemment, c'est largement différent. Pour que les gens aient moins peur de ce que ça signifie la fin de notre civilisation existante, de nos sociétés existantes, eh ben, il vaut largement mieux qu'on puisse se projeter dans des futurs. Grosso modo, on a moins peur de la fin du plan A quand on a visualisé un plan B. Et donc, c'est très important, du coup, de faire en sorte que les gens visualisent, puissent se projeter. Non pas simplement se projeter mentalement de manière abstraite, où ils verraient une image d'Épinal de ce que serait un futur. Déjà, attention aux images d'Épinal, parce que demain, il y aura relativement peu de petites utopies merveilleuses et idylliques. Il y aura des problèmes et des difficultés. Mais malgré tout, on peut les gérer mieux que si c'est le chaos total, évidemment. Donc il ne faut pas simplement se projeter là-dedans comme une image abstraite, mais bien se projeter eux-mêmes comme des héros de cette alternative. Et quand on fait ça, ben, on peut dépasser cette appréhension. Mais notre angoisse ne vient-elle pas aussi comme le dit Rob Hopkins, en tout cas ce sont ses propos, il dit c'est qu'on manque cruellement d'imagination collective. Alors est-ce que vous pensez que c'est ça aussi la clé de voûte de l'acceptation sociale, l'imagination? Alors je connais un peu effectivement ce que dit Rob Hopkins. Là, récemment, il a publié un bouquin là-dessus. Il y a des choses très, très intéressantes dans ce qu'il dit. Bon, globalement, je suis d'accord et pas d'accord, dans le sens où ce qu'il dit est fondamental. Oui, l'imagination, c'est nécessaire. De là à dire que c'est la clé de voûte, selon moi, c'est une des clés de voûte. Voilà. Donc, ce sur quoi moi je travaille, c'est une espèce d'approche systémique de la résilience collective, et la résilience comme justement le remède face à non seulement ce qui arrive, mais également face au spleen ou à l'angoisse qu'on peut avoir face à ce qui arrive. Donc quand on travaille, enfin pour moi il y a quatre dimensions essentiellement. Les quatre dimensions sont les suivantes. La première, c'est effectivement un travail sur nos imaginaires. Donc là, ça passe par un certain nombre de choses. Ça va passer certes par des récits, notamment par des travaux collectifs où on discute, des conversations collectives et des travaux collectifs, et des chantiers. C'est-à-dire que ce qu'on voit relativement peu souvent, ce qu'on comprend, les gens ne comprennent pas trop souvent, c'est que pour que les gens vraiment imaginent un futur différent, il vaut mieux qu'ils fassent, c'est-à-dire qu'ils participent à des chantiers et avec d'autres personnes qui vont partager les mêmes peurs peut-être, mais aussi des créativités, des imaginaires, d'avenir un peu différent. Alors que le contraire n'est pas vrai. C'est-à-dire que l'imagination ne précède pas le fait de faire. Ça va ensemble. Donc les deux sont. Donc il y a changer l'imagination et passer à l'acte. Et trouver donc des manières de faire passer les gens à l'action dans leur environnement, dans leur territoire. Donc ça, c'est la première chose, c'est réimaginer dans la tête, mais également dans les mains. Ça s'ancre dans le faire. Et ensuite, les trois autres dimensions, c'est faire ensemble. Parce que si on parle dans des individualismes, on crée les conditions du conflit et des frustrations et des conflits. Donc il faut faire les choses ensemble, de manière digne. La troisième dimension, c'est changer le système tel qu'il existe, partout où on peut le changer, jusqu'à rentrer en résistance contre les pans du système les plus destructifs. Et la dernière partie, en plus de tout ça, c'est de créer concrètement la résilience. Et ça, ce n'est pas changer le système existant, c'est bien fabriquer un nouveau système, un autre système qui fonctionne sur d'autres bases en parallèle. Il faut faire ces quatre choses-là, les imaginaires et les imaginaires aussi dans les pratiques, la reliance, faire les choses ensemble, s'opposer
et changer dans le plus possible le système existant et en créer un neuf. Moi, je parle plutôt de 4 clés de voûte. Donc, alors que certains choisissent la voie collective par l'engagement politique, par exemple, pour agir, d'autres essaient d'abord de se sauver eux-mêmes et en proie à ce qu'ils imaginent une incompréhension généralisée. C'est tout le propos de la bande-annonce que nous venons de voir. Je pense évidemment aux survivalistes, mais aussi aux mini-collectivités, par exemple, qui se montent avec un objectif d'autonomie. Qu'en pensez-vous, Arthur Keller ? Est-ce que la somme des individualités fera-t-elle le collectif ? Non. Mais attention, oui, enfin, la somme des individualités. Il faut évidemment des individualités pour faire un collectif. Hein. Par contre, les individualismes, c'est autre chose. Bon, par contre, même si on regarde les individualités, ça ne suffit pas. Ce qui fait un collectif, ce sont ses règles d'interaction. C'est comment il est organisé. C'est donc la structure organisationnelle, les dispositifs sur lesquels il est basé, ses infrastructures au sens très concret du terme. Et puis derrière, donc, c'est l'organisation et la culture. Et c'est la façon, c'est comme je disais hein, juste avant, c'est les valeurs, l'échelle de valeurs, la hiérarchie de valeurs, c'est comment on se comporte les uns vis-à-vis des autres, comment on se comporte vis-à-vis de la mort, comment on se comporte vis-à-vis de l'avenir, comment on se comporte vis-à-vis du non-humain, etc. Comment on se comporte vis-à-vis d'éventuelles personnes qui débarqueraient, les étrangers, entre guillemets. Tout ça, ça fait un collectif. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les individualismes, alors ça, non, le seul individualisme ne fait pas un collectif. Et ça, c'est un grand débat en réalité. Pour certains, ça peut paraître évident, mais aujourd'hui, toute l'économie dominante est assise sur le concept que la somme des égoïsmes, la somme va faire l'intérêt général. C'est là-dessus qu'est construite la théorie économique dominante. Donc ça a été démontré faux X fois, mais pour autant c'est encore très puissant. Quel que soit ensuite l'individualisme, ça peut être un individualisme en mode survivaliste, et quand je dis individualisme, ça ne veut pas forcément dire moi juste moi, mais ça veut dire moi et les miens, mes proches, ma famille, mes potes, en petits groupes en général ou en petite communauté. C'est ça que j'appelle l'individualisme au sens large. Hein. Donc cet individualisme-là ne fonctionne pas, qu'on soit dans la mouvance survivaliste, qu'on soit juste dans le quotidien un égoïste, qu'on soit un riche et qu'on considère qu'on va aller s'acheter une île quelque part et puis qu'on sera tout seul très bien et résilient, c'est pas vrai, ou que ce soit même, c'est la moins pire certainement le moins pire de tous les individualismes, mais que ce soit même construire ma petite ferme en permaculture résiliente en autonomie alimentaire avec mes potes. Déjà, pour le faire, allez-y, parce que l'autonomie alimentaire, c'est pas gagné, c'est même en fait perdu pour la plupart des gens. Ça s'organise plus à beaucoup plus large échelle. Et même ça, si vous voulez, ne fait pas un collectif. Donc il faut être à la juste échelle, quelques milliers, quelques dizaines de milliers de personnes, c'est l'idéal, sur un territoire donné. Là, ça se construit bien. Une chose, et une toute petite chose, une remarque que je veux faire sur le survivalisme, et d'une manière générale sur les gens qui se préparent à des risques de violence et à des défis comme ça. En fait, il y a des choses très intéressantes là-dedans, et c'est bien de s'aguerrir, et c'est bien de se préparer à certains types de situations, parce qu'on s'y prépare mentalement, parce qu'on comprend ses limites, parce qu'on peut réfléchir déjà à comment on pourrait faire, comment on pourrait s'y prendre, etc. Et si un jour, une situation relativement similaire se présente, on sera beaucoup plus serein et efficace pour la gérer. Donc ce n'est pas ridicule en réalité. Ce qui est dangereux, je ne vais pas dire ridicule, mais ce qui est dangereux, c'est la polarisation, c'est la fixation là-dessus. Voilà. Donc les gens qui ont un tropisme là-dessus deviennent bellicistes pour certains. Après, ça va sur le bunker, le mirador, et puis on s'arme jusqu'aux dents, etc. Et là, c'est un problème, ça devient une dérive. Mais en réalité, il faudrait constituer essentiellement, idéalement, des systèmes où on vit ensemble et où on est dans la bienveillance, mais on se prépare aussi, malgré tout, il ne faut pas trop être candide, hein, on se prépare aussi au risque de violence. Il faut juste le bon positionnement de curseur pour que ça reste décent et digne pour tout le monde. Mais c'est bien une pensée systémique, Arthur Keller, qui nous permettrait d'entrevoir une solution aux nombreuses crises que nous traversons. Mais comment est-ce qu'elle se fabrique, cette pensée systémique ? C'est pas si simple. Hein. Alors la pensée systémique, déjà, le fait de dire ça, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, il y a beaucoup de gens qui... C'est comment on relie les choses effectivement en système et comment on regarde comment les dynamiques croisées de différents types de processus, des dynamiques, tout ça fait un tout cohérent qu'on peut comprendre et sur lequel on peut
jusqu'à un certain point agir. Donc globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement, il faut une pensée systémique. Si vous êtes dans une collectivité ou une organisation ou un territoire, bref, et que vous êtes face à un problème, puis un autre, et que vous traitez chacun des problèmes ou chacun des défis qui se présentent à vous comme un problème ou un défi isolé, que vous le traitez en silo, vous n'êtes pas dans la systémique. La systémique, ça signifie essayer de voir s'il n'y a pas des causes communes à tout ça et quels sont les échanges, les dynamiques croisées entre ces différents systèmes. Et notamment, quand il y a un problème qui se crée, quel va être derrière le cheminement, quels vont être les effets en cascade de ce problème, de ce choc qui peut des fois se propager dans un système. Donc la systémique, effectivement, aujourd'hui devient absolument indispensable à l'heure où nous sommes soumis à des contraintes nouvelles et inédites dans leur nature et surtout dans leur magnitude, et à l'heure où nos sociétés sont, même si on ne voit pas ça au journal de 20 heures en général, sociétés sont en réalité extrêmement vulnérables à certains égards. Et ça pourrait donc se transformer en des chocs systémiques. Donc c'est très important d'avoir cette pensée. Mais alors ça signifie soit essayer de faire ce que je fais, et je suis loin d'y parvenir pleinement, c'est-à-dire y passer 15 ans, 20 ans de sa vie et étudier un nombre de disciplines incroyables, ou qui fait que moi aujourd'hui je suis un expert de rien, mais je comprends ce que racontent les experts d'un certain nombre de choses, puis j'ai étudié la dynamique des systèmes, qui est un truc très matheux, pour essayer de faire sens de tout ça, etc. Bon bref, certains peuvent et veulent faire ça, mais c'est pas donné à tout le monde, c'est pas une question d'intelligence, c'est surtout une question de vouloir y passer énormément de temps pendant des années et des années. Et comme la plupart des gens, ben, ce sera pas ça qu'ils voudront faire, la pensée systémique, elle doit se construire collectivement. Donc il faut collectivement, chacun a des façons de voir le monde, une certaine créativité et certaines compétences, il faut les mettre ensemble et apprendre à discuter les uns avec les autres. Dernière phrase, c'est précisément ce qui manque aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des problèmes où il faudrait faire travailler ensemble des citoyens, des associations, des élus, des experts des risques, des experts de la gestion de crise, des gens qui sont dans les forces de l'ordre, des écologues, etc. Or, la plupart de ces gens-là sont dans des bulles culturelles très différentes, sans référentiel commun, ne se parlent pas, voire même des fois se tirent dans les pattes les uns les autres et s'intercaricaturent. Et là, on n'y est pas du tout. Il faut donc réussir enfin à faire de la systémique en travaillant ensemble. Voilà. Je dis ça, c'est un vœu pieux sans doute, mais il faut le faire. Oui, et puis c'est sûrement à l'échelle des territoires que ce sera possible. Mais ensuite, j'avais une autre question justement au niveau de la sensibilisation des gens. Je me demandais si la bonne ouverture, j'ai envie de dire, c'est de faire comme nous le faisons généralement, nous, hein, à Sans Transition, c'est-à-dire de montrer des transitionneurs qui sont très engagés, qui travaillent dur en permaculture, qui sont autonomes alimentaires, ou alors qui font le zéro déchet, ou ne se déplacent qu'en vélo. Mais toutes ces alternatives, ces personnes qui travaillent comme ça pour arriver à baisser leur empreinte carbone, est-ce que c'est la solution de les montrer? Est-ce que ça ne fait pas peur aussi aux personnes qui n'en sont pas au même chemin? C'est nécessaire, mais c'est insuffisant et ça a des effets de bord pernicieux, effectivement. Déjà, il n'y a pas que l'empreinte carbone, il y a bien d'autres choses à changer et à faire diminuer. Mais par contre, il faut effectivement qu'il y ait des gens qui, et là, tous ceux qui m'écoutent et qui ne l'ont pas encore fait, mais qui seraient prêts à le faire, qu'ils le fassent, des gens qui fassent le travail, qui lancent un projet et qui documentent leur projet, qui racontent leur histoire. Au début, ce n'est pas très sexy, et puis progressivement, ça le devient. Et juste, c'est l'histoire de la transformation et du changement qui est intéressante à raconter. Donc il faut nécessairement effectivement qu'il y ait des gens qui ouvrent un certain nombre de voies, des pionniers, des gens. Et il faut que ces gens travaillent sur leur histoire, leur storytelling pour rendre ça inspirant. Tout ça est indispensable. Mais là où il y a potentiellement un souci, c'est si c'est toujours les mêmes types de personnes. Et si à chaque fois les imaginaires qui sont proposés sont des imaginaires qui me font envie quand même. Et là, on finit par faire de l'entre-soi. Quand on fait ça, ben finalement, ça évolue, certes, mais il y a de plus en plus de gens qui font des projets sympas, de résilience, ou des choses comme ça, ou au niveau territorial, au niveau local, et c'est super. Et on pourrait croire que du coup, ben, la société évolue dans le bon sens. Non, la société, elle se clive, la société, elle se fracture entre ceux qui font ça et les autres qui vont justement dans l'excès inverse, et qui ne veulent pas lâcher le système existant, et ça se fracture et ça va clasher.
Pour plaire à plus de monde, il faut multiplier les façons de faire les choses, les cultures avec lesquelles on les fait et les formes de récits qu'on utilise pour titiller une part de plus en plus large d'imaginaire chez de plus en plus de gens, dans de plus en plus de communautés culturelles différentes. Merci beaucoup, Arthur Keller, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Nous prenons maintenant un peu de hauteur et puis avec la découverte d'un livre. Vous avez compris que c'était une émission de voyage, mais aussi de culture. Et donc un livre qui est proposé par Corinne Barthé-Robert, libraire à l'Annexe, à Malocène, dans le Vaucluse. C'est « L'œil du libraire ». Bonjour à tous. Pour le voyage en transition d'aujourd'hui avec Arthur Keller, sur le thème « Dépasser l'effondrement », je vous propose le livre de Pierre Ducrozet, « Partir léger » aux éditions Actes Sud. Sous forme de chronique bimensuelle, Pierre Ducrozet envoie au journal Libération, au cours de son voyage de plusieurs mois, des notes, récits, impressions, qui prennent le pouls de notre planète en surchauffe et des humains qui y vivent. On est parti. Peu importe les réticences des autres. On avait déjà assez avec les nôtres. La nouveauté de ce voyage-ci, ce fut la perte d'innocence. On ne peut plus faire comme si l'on ne savait pas. C'est ce que l'on reprochera toujours à nos aînés. Nous avoir vilement ôté cette possibilité d'une jouissance, d'une légèreté, dont ils ont tant usé qu'on ne peut plus s'en servir. Ils nous ont, en revanche, laissé un monde en miettes qu'il s'agira de redresser. Merci les gars. On ne peut plus donc brûler du carbone ou de l'essence, quadriller, explorer. On ne peut pas non plus voyager, manger, ne rien faire, oublier, regarder ailleurs, simplement profiter, comme si on ne connaissait pas les conséquences de nos actes, comme s'il n'y avait pas d'urgence. Et c'est une bonne chose. Et c'est une chose terrible. Alors, ce fut un voyage pour et contre, et en ce sens passionnant aussi. Avant que cela bascule dans autre chose encore, avec cette mémorable année 2020, sous l'effet d'une infection contractée à 2350 km de là où nous nous trouvions alors en Birmanie, qui se transforma en affolante pandémie, le monde entier, pour la première fois de l'histoire moderne, se retrouva entièrement bloqué. Les frontières closes et le mouvement des humains, et en particulier des riches, ceux qui prennent l'avion, accusés à juste titre d'être le vecteur de l'épidémie. Et nous voilà. Là, au milieu, nos sacs sur le dos, pris dans la nasse, privés de mouvement, mais en voulant encore, tentant de justifier l'injustifiable, voulant voir encore quand il n'est plus l'heure de voir, voulant bouger encore, comme le voudrait un mort. Quelle drôle d'idée quand même, voyager en 2019. Alors, voyager en 2020, n'en parlons pas, c'est interdit par la loi. Merci Corinne. Et voici maintenant venu le temps participatif de l'émission, dont vous pouvez poser toutes vos questions à Arthur Keller via Zoom, la plateforme Zoom, ou sur Facebook. Avant de commencer, je tiens déjà à gérer les frustrations. Il nous reste un quart d'heure d'émission environ, donc on ne pourra pas prendre toutes vos questions, en tout cas pour le moment, mais n'hésitez pas, on lui fera parvenir ou on essaiera d'y répondre au niveau de la rédaction. Stéphane, est-ce que tu es parmi nous? Est-ce que nous avons des questions sur Zoom? Oui, Magali, je suis là. Une première question de Louis. C'est des combats perpétuels que l'on a en tant que... Et effectivement, on se doit, en tant que citoyen, de montrer un autre chemin, être confiant qu'effectivement, on est en capacité de changer la direction qu'on nous propose
vers effectivement un monde plus respectueux des hommes et de la nature qui l'entoure. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si c'était une question ou plutôt une remarque, mais en tout cas, Arthur Keller, qu'est-ce que ça vous inspire ? Non, mais c'est très bien, c'est très bien dit. Il y a, d'une manière générale, effectivement, des politiques pourraient faire beaucoup plus si vraiment ils le voulaient. Ils ne pourraient pas tout faire. Je lutte contre une idée très souvent, très généralisée, qui est qu'on a toutes les solutions et il manque juste qu'une volonté politique. C'est faux. On a des solutions techniques, normatives, légales et compagnie. On a des solutions à des problèmes précis. Mais ces problèmes précis sont en général des conséquences du problème que je décris, qui est vraiment systémique. Et donc, il faudrait véritablement changer tout le système, en tout cas une grande partie du système, et notamment notre culture. C'est peut-être même un changement anthropologique, et ça, il n'y a aucun politique qui peut le décréter. Donc, mais il pourrait quand même faire beaucoup plus, il faut quand même bien le dire. Mais pour qu'ils fassent, est-ce qu'il faut leur réclamer ? Non. Est-ce qu'il faut les détrôner ? Peut-être. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les hommes politiques sont rarement ceux qui montrent le chemin. C'est souvent le peuple, ou en tout cas des individus, qui s'organisent et qui montrent le chemin. Et s'ils arrivent à avoir suffisamment d'écoute et créer une communauté derrière eux, ils finissent par être suivis par les politiques. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est allez-y, lâchez-vous. Rentrer en résistance et créez-nous de la résilience. Et montrez ça de manière la plus inspirante possible. Et communiquez dessus, diffusez un maximum. Essayez de faire en sorte que ça fasse des petits ailleurs. Et ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, vous allez peut-être apparaître comme des idéalistes, voire dans certains cas peut-être même des radicaux, des gens qui sont hors sol, qui sont fous, par ceux qui précisément sont hors sol et qui sont fous, mais ils ne s'en rendent pas compte encore. Ce qui va se passer, c'est que vous allez progressivement faire dévier ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton, c'est le nom d'un gars qui était un lobbyiste. C'est l'ensemble des idées qui sont, à un instant donné, acceptables dans une société. Et si vous sortez, parce qu'il faut en fait essayer de faire progresser cette fenêtre d'Overton dans la bonne direction, si vous sortez et que vous proposez des choses, eh bien nécessairement, progressivement, vous allez légèrement étendre cette fenêtre, l'ouvrir un petit peu plus. Voilà. Et donc, je vous laisse aller faire vos propres recherches sur cette fenêtre d'Overton, je ne vais pas détailler plus que ça. En décalant la fenêtre d'Overton, eh bien du coup, vous allez englober progressivement de plus en plus de monde et ça va forcer les politiques à vous suivre. Alors, c'est pas magique, mais je vois pas mieux. Merci Arthur Keller, c'est déjà une piste à suivre. Nous partons maintenant vers Facebook avec Bénédicte, tu m'entends ? Bénédicte, oui, est-ce que bonjour, tu es là ? Oui. Bonjour Magali, bonjour Arthur Keller, bonjour à toutes et tous. Oui, nous avons alors deux questions en une de Léo sur Facebook, qui vous remercie pour vos travaux, et donc qui pose une question sur la nécessité de décarboner nos sociétés, de décroître nos flux énergétiques et matériels. Voyez-vous aujourd'hui une théorie économique qui puisse faire système et répondre à cette exigence de décroissance ? Et deuxième question, vous aviez élaboré un programme pour les dernières élections présidentielles, à un an et demi des prochaines élections, envisagez-vous de partager un nouveau projet qui aille dans ce sens ? Merci beaucoup Bénédicte. Arthur, on va commencer par la première question peut-être. Est-ce que vous connaissez une théorie économique qui permettrait donc de gérer la baisse de ces flux, notamment en énergie, en matériel ? Écoutez, non, il n'y a pas véritablement, même s'il y a des travaux sur la question, et je ne peux pas non plus prétendre que je les connais tous. Donc si ça se trouve, le Graal existe, mais j'en ai juste pas connaissance. Pour autant, il faut aller voir du côté de l'économie écologique, et notamment regarder les travaux qui ont été initiés au début des années 90 par Herman Daly, D-A-L-Y, et ensuite derrière, qui ont été développés par d'autres, qui consistent tout simplement à élaborer des modèles économiques qui intègrent, parce que ce n'est pas le cas par ailleurs, y compris aujourd'hui en 2020 dans toutes les institutions qui nous gouvernent et qui gouvernent les politiques économiques et commerciales au niveau mondial, à savoir tous les macro-modèles qui existent n'intègrent pas, ou seulement vraiment à la marge, les ressources naturelles et leur finitude, et l'énergie.
Bon. Donc on est juste à côté de la plaque. Et les travaux dont je vous parle, qui ont débuté dans les années 90, justement, visent à réintégrer cette finitude écologique et en termes de ressources dans les modèles. Et c'est évidemment ça qu'il faut faire. Et donc, il y a des travaux en la matière. Pour autant, à ma connaissance, rien qui soit parfait, rien qui soit totalement inclusif. Enfin, qui inclut, je veux dire, absolument toutes les dimensions de la problématique. Donc, par contre, ce que moi, je peux vous dire, c'est effectivement, si on veut faire décroître les flux, c'est bien ça. De toute façon, les flux vont décroître. C'est pas une question, comme je dis des fois, c'est pas un choix. Est-ce qu'on veut faire décroître ou pas? Non, les flux, ils ont déjà commencé à certains égards à décroître. À d'autres égards, ils continuent de croître, mais ce n'est que temporaire. Ils vont décroître. Et ils vont décroître de surcroît de plus en plus vite. La systémique nous démontre ça de manière assez incontournable. Quand on est face à ça, on a deux solutions. Soit on le comprend, on l'accepte et on l'anticipe et on organise soi-même la descente en choisissant ce qu'on veut garder, ce qu'on veut continuer à développer, ce qu'il faut arrêter ou ralentir, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut créer, etc. Des questions auxquelles on doit apporter des réponses collectives et des questions difficiles. Donc soit on le fait, soit on le subit. Point. Et c'est évidemment pour l'instant plutôt la deuxième option que nos sociétés au sens large. Bon. Et donc comment on fait pour aujourd'hui mettre en place cette descente, sachant que nécessairement ça réduit les possibles à un certain nombre d'égards, et ça fait que les gens, ben, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas cette perspective, surtout si derrière il y a une menace de pouvoir d'achat qui diminue, absolument inaudible pour un grand nombre de personnes, et je le comprends tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et il me semble que la meilleure manière d'y parvenir, c'est comme je disais tout à l'heure, de mettre en place des politiques de gestion collective des communs, et là-dessus, de mettre en place des systèmes. Alors il y a une proposition par exemple de sécurité sociale alimentaire qui ferait que chaque personne, de même qu'aujourd'hui sur la sécurité sociale, sur le plan sanitaire, sur le plan médical, on a accès gratuitement, c'est-à-dire c'est remboursé à certains soins et à certains produits. Là c'est pareil, on aurait accès gratuitement, remboursé par l'État, à certaines ressources de base au niveau alimentaire. On peut imaginer de même une sécurité sociale énergétique ou sur les transports ou sur ceci ou sur cela. Voilà. Et il y a une proposition qui est finalement assez voisine qui s'appelle la DIA, je vous laisserai jeter un coup d'œil, elle n'est pas de moi, qui est la dotation inconditionnelle d'autonomie, qui dit que chaque personne, on lui assure les premiers kilowattheures dont il a besoin, les premiers mètres cubes d'eau dont il a besoin, les premiers gratuitement, et qu'ensuite, pour les autres, plus on en utilise, plus c'est cher. Et si on fait du mésusage, vraiment, hein, si quelqu'un veut changer l'eau de sa piscine en pleine canicule, alors lui, il paye un max. Voilà. Et donc, ça se fait à équilibre budgétaire pour l'État, grosso modo. Et juste pour répondre et très rapidement à la deuxième question, j'ai prévu, je suis en train de coécrire un livre qui j'espère paraîtra soit toute fin 2021, ça serait l'idéal, soit éventuellement 2022, avec quelques propositions, mais très honnêtement, non, j'ai pas de grands projets, au risque de décevoir Léo qui pose la question, mais non, j'ai pas de grands projets pour 2022, je n'ai pas encore la portance médiatique qu'il faudrait pour que ça fasse vraiment sens, très honnêtement, mais je n'exclus pas dans le futur. Voilà. Merci Arthur. Je précise quand même, pour ceux que ça intéresse, que nous avons écrit tout un dossier. Il y a 11 pages qui sont parues cet été sur la sécurité sociale alimentaire et le projet qui est porté donc par différents groupes de travail, chercheurs, associations et autres. Une autre question, peut-être Stéphane, sur Zoom, s'il te plaît. Ce sera peut-être la dernière, d'ailleurs. Oui, Magali, une question de FB, pas de pro. J'ai pas réussi à obtenir un prénom. Alors, pardon. Oui. FB Patron, bonjour, Frédéric. Bonsoir. Bonsoir, Frédéric. C'est beaucoup mieux quand même. Voilà, Frédéric Blanc, l'iPad Pro. Alors, je vous en prie, on vous écoute, Frédéric. Je suis, j'ai bien compris, j'adhère totalement. Je suis un adepte de Carbon Cap et Shift Project, donc Jean Covici, et je pense que vous échangez quelques idées avec lui de temps en temps. J'ai une question. Vous avez parlé de collectif, donc un collectif viable pour le futur. On a bien compris qu'une ville de 2 millions d'habitants, c'était pas pérenne. Un village de 10 non plus. Quel serait pour vous le nombre idéal pour un collectif dans un futur viable? Merci beaucoup, Frédéric. Arthur, vous avez 2 minutes. Ben c'est bon, ça va suffire. Parce qu'il n'y a pas une réponse, là encore, une réponse absolue, parce que ça dépend énormément des lieux et des personnes qui composent. Mais on peut quand même, si ça varie du simple au décuple, malgré tout, ça détermine quand même une fenêtre. Et je pense que cette fenêtre, c'est de 5 à 50 000. Voilà. Lorsqu'on est
un petit collectif ou un petit village, il faut nécessairement s'organiser avec les villages et les villes et les territoires et le bassin de vie alentour. Voilà. Lorsque l'on est une très grande ville, eh ben c'est trop. Et quand je dis c'est trop, c'est qu'il y a vraiment... Moi, je n'imagine pas qu'une ville de plus de 500 000 habitants puisse encore être préservée et où il y a des gens qui vivent dedans correctement à la fin de ce siècle. Voilà. Et potentiellement même bien avant. Et donc, pourquoi? Parce que ça dépend de chaînes d'approvisionnement continues, des camions incessamment qui apportent les vivres et tous les matériels d'un côté, puis des camions qui emmènent les déchets de l'autre, et puis tout un tas de services et de réseaux. Donc, c'est très bien les villes, parce que ça permet d'optimiser l'usage de l'énergie et de centraliser, d'optimiser un certain nombre de flux. C'est très bien de ce côté-là. Mais ça rend... C'est moins résilient, c'est optimisé, mais c'est pas résilient. Et donc le moment où ça brique, où ça casse, ça devient invivable assez rapidement. Dans un premier temps, les villes sont maintenues, ne serait-ce que par l'armée ou machin, qui est une intervention de l'État en tout cas, qui pour sécuriser les villes, mais ça ne dure qu'un temps, et au bout d'un moment, potentiellement, ça finit par craquer. Voilà, donc une grande ville doit se découper en morceaux, j'ai envie de dire, qui à chaque fois inclut et de la ville, et de la zone périurbaine, et du rural, espèce de quartier comme ça. Je vous invite à regarder un petit peu le concept de biorégion si vous voulez creuser là-dedans. Merci beaucoup Arthur Keller de vous être prêté au jeu de mes questions et de celles des internautes. Et merci surtout de vous être prêté à l'exercice à distance et ses impératifs techniques. Et ce n'est pas rien. Cette émission touche à sa fin. Merci d'avoir été si nombreux à la suivre et puis à avoir posté autant de commentaires et de questions. Toutes nos excuses pour pas avoir pu répondre à tout le monde. Je remercie évidemment les équipes techniques, donc Benjamin Thérault de Sensitive qui réalise cette émission, ainsi que Vincent Brizard de Capture Production. Vous pouvez suivre toutes nos actualités éditoriales, c'est-à-dire les sorties de nos magazines, ainsi que notre programme de conférences sur notre site 100-transition-magazine.info. Prochain rendez-vous de Voyage en Transition, ce sera lundi, avec Jean Jouzel pour parler climat, même heure, 20h30. Cette émission, enfin, est à voir et à revoir. N'hésitez pas à la partager, donc sur notre site internet, sur notre page Facebook ainsi que YouTube, sur la page donc d'Arthur Keller, ainsi que chez nos partenaires TBO, TB Sud et la radio RCF. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et vous remercie. À très bientôt avec Sans Transition.